Je vais leur parler. Ah, mais oui, oui. Allez, oui, allez, en cachette. Et puis ça, vous n'aurez pas parce qu'on est... Oui, il y a trop de l'eau. Il y a trop de l'eau. Allez, sous. Noble Gaulois. Moi, Barbe Rouge. Ma fille, Étoile. Ouais. En stage pratique avec nous. Mon nouveau second, Planche Pourix. L'écorcheur des mers. Papa, la vigie du bateau, c'est un petit peu notre vigie pirate à nous. Et enfin, André Tablix, notre maître d'équipage, le meilleur d'entre nous. Ouais. Oh, suffit, oui. Bah quoi? Oh, bref, nous avons perdu notre bateau au large de vos côtes. C'est pourquoi nous accostons ici. Mais nous venons en paix. Voilà, nous ne sommes pas là pour très longtemps, donc si vous pouviez éviter de nous distribuer des baffes, nous en serions... Souriez !
colons ont l'air tout à fait inoffensifs. Ces Gaulois peut-être, mais les autres doivent se cacher derrière. Les autres? Quels autres? Mais une horde de deux Gaulois et d'un chien terrible, redoutable, sans pitié. Capitaine? Oui? Voulez-vous que je regarde? Bonne idée, papa. Hein? Formation, vigie terrestre. Lycéo! Ça penche à maman. Prenez du mou. Changez de bord. Lycéo, papa. Lycéo, bon. Oui. Gardez un tribord. Tirez une bordée. Allez, j'ai jamais sans vite. Lycéo. Très haut, même. Pas de vent, j'ai envie. Ah, le gros avec ses tresses et ses mains de titan. Non. Le petit nerveux. Non plus. Le molosse avec ses crocs énormes. Ouais. Attendez. Et s'il s'était caché pour ne pas se faire remarquer, hein? Bah oui, on est là, on s'installe, on se méfie pas. Et là, il sort, paf, et boum. Calmez-vous, capitaine, nous allons vérifier. Allez, là-haut, au milieu. Allez. Comment voulez-vous que je me détende avec ces Gaulois de malheur? Oh, père, vous n'avez pas l'air d'avoir le vent en poupe. Non. Laissez-nous vous chanter votre hymne. Les garçons, au taquet. Et 5, et 6, et 5, 6, 7, 8. Stop! Cet hymne est un mensonge. Je suis un peu heureux. Et à la chance! Oh. Calmez-vous, capitaine, faites survoler! La mort est agitée ces derniers temps. Ah! Je les vois! Le gros, le petit aigle et son melon, ils sont là! Mais enfin, il n'y a personne, capitaine! Personne! Oh, sombrero de la mer qui ont su traverser les océans du vide! Ah, la mémoire de nos frères dans les sanglots si longs! On fait couler le sud! Allongez-vous, capitaine! Ah! Ah non, pas les baffes! Faut pas vous en faire, capitaine! Voulez-vous le petit design du docteur Anxiolytics? C'est que... Rien que ce mois-ci, à cause des Gaulois, j'ai dû me couler trois bateaux en mer. La mer! Toujours la mer! Trois bateaux dont j'ai même pas encore fini de payer les traites! Et le père? Parlez-moi du père! Ces Gaulois me hantent! J'en rêve la nuit! J'en veux plus. Je raccroche. Je prends ma retraite! Non, père, vous n'y songez pas! Vous avez à peine 64 ans! À l'époque, on travaillait bien plus longtemps et on ne se plaignait pas! J'ai pas de succès dans les affaires. J'ai pas de succès dans les amours. Ça, c'est normal. La vie de pirate, c'est une galère. On me coule un bâton tous les jours. Est-ce une offrande pour Jupiter? Plutôt une descente aux enfers. J'aurais voulu être comme César, mais pas sur Terre, plutôt sur l'eau. Mais la vie de pirate, j'en ai marre. Il en a marre. Allez, je vous laisse, mon vieux bâton. Allez, je vous laisse, mon vieux bateau. Capitaine, n'aie pas baissé les bras. Un chef ne renonce jamais, enfin. Qu'est-ce que vous allez faire? Tirez le dirigeant. Ah, ah, ah.
J'ai une idée. On prend le capitaine chacun son tour. Et la communauté pirate, sans chef, on partage le travail et le butin. Hey, Galiti, j'y pense depuis un certain temps, monsieur. Hey, les pirates, ils sont pas merveilleux? Non. On déciderait du cap à suivre, ensemble, vivant. Chaque décision sera discutée et chacun aurait un droit de parole égal. Et le soir, on chanterait les chansons vers nos étoiles. Baba! Cool. Oh. Si Barbe Rouge démissionne, le commandement revient au second. Quoi? Oh ben, je n'y attendais pas. Mais c'est ouais, ça, c'est oui. Ça, oui. Il faut que j'y réfléchisse. C'est-à-dire que j'ai des projets de vie, moi. Hein? S'il n'en veut pas, créons une coopérative de pirates. Hein? J'ai déjà pensé à lui. Il sera pirate. Oh non. Nous serons pirates et tous ces goïs, nous serons pirates en fraternité et nous vivons en liberté. La 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 la. Nous serons pirates en fraternité et nous vivrons en liberté. Si vous êtes tous d'accord avec moi, levez les mains et agitez-les. Et ils le font. C'est à moi de reprendre le flambeau familial. J'accepte le poste. Comment ça, elle accepte le poste? On ne l'a pas proposé. Ça, c'est vrai. C'est à moi d'être le capitaine. Je suis le second. Oui, second. Pas premier. Je n'ai aucun conseil à recevoir d'une stagiaire. Une fille chef des pirates. Ridicule. Je suis une fille, mais j'ai la piraterie dans le sang, moi. On est tous à bord du même bateau, qu'on soit sur terre ou dans la cale. En moins 5 ans, je sais pas ce qu'il faut. En tant que pirate, je suis pas trop mal. La vie sur mer, c'est mal commode. Les relations sont parfois sales, mais faudrait peut-être casser les codes. Une fille pirate, ce serait normal. Balance quoi? Coupé. Même si tu parles ma fille, je sais qu'au fond t'as coupé. Balance quoi? Un jour peut-être ça changera. Balance quoi? Coupé. Laisse-moi te chanter et d'aller te faire nager si tu n'es pas à l'eau. Parce que mes mots sont pas très beaux. Non, 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 non. Alors des questions finales, les enfants. Je pêche. Laissons les égaux de côté. Et s'en donne comme une épée! Baba, pousse-toi! Oh. Rends-moi ce casque, marin de jamais! Viande de requin! Radical! Et écroviseront pas! Je vous demande de vous arrêter! Si l'été Gilia, c'est le plus fort des deux qui l'emportera! C'est comme ça que ça a toujours été, et c'est comme ça que ça doit être! Ok, très bien. Réglons ça au bras de fer! Tu l'auras voulu! Baba! Blanche pour X! Le casque! Mais... Allez! Oh. 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 3, 2, 1, fight! Allez, Blanche pour X! Et toi, ça, c'est un vrai pirate! Et toi, le pirate! Regarde, Blanche pour X! 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 Blanche Égalité. Comment ça, égalité? Ben, égalité. Et ça? Qui? Oula. Ouais, il est fort. Tu sais faire? Alors ça va? Ça mord? Vas-y toi, tu peux! Vas-y toi! La piraterie dans le sang, tu peux, vas-y! Oui! Qu'est-ce que tu as dit, Blanche pour X?
c'est bon, enfant. Oh là non. J'ai dit ça. C'est moi le meilleur. C'est moi le capitaine. Ah oh. Stop. Écartez-vous. Les vrais pirates ne se départagent pas avec du singerie. Allez. Allez, on s'applique. Ah, les enfants, vous vous êtes bien battus. Donnez du courage. C'est moi, le capitaine. C'est mon destin. Me donne mon casque. Les enfants,
c'est miraculeux. Ah oui. Je n'ai plus peur des couloirs. Oh, pas de même. Regardez, je vais même en approcher. Oh, coucou ma toile. Ben non, elle n'aura pas. Alors ça va ici? Comment ça va? Ça va bien? On ne leur parle pas. On prend un air détaché. Capitaine, oui, on va pas se battre contre les Gaulois. Bah, c'est-à-dire qu'il commence à faire nuit. Attendez, ne partez pas. Oui, il faut profiter de la marée. Oui, et ils ne sont que 3 et nous sommes 5. Ce n'est pas très équitable. Allez, si seulement j'avais 20 ans de moins, je ne suis pas là 20 ans de trop. Oh, allez, les enfants, larguez les amarres, on y va. Allez. Papa. Vite, papa. Oui, c'est ça, oui, à bientôt sur les flots. Les enfants, dites au revoir aux Gaulois. Au revoir, les Gaulois. On serait bien restés pour dîner, mais... On a du pain sur la planche. C'est ça, la planche. Capitaine, on leur a bien fait peur à ces Gaulois. Ouais, surtout, coupez la main. Remets. Allez, les garçons. C'est un fameux pas par une air. Il se roule. Il se roule. Et les blanches à ton sac, nous serons bientôt au fond de l'eau. Tiens bon là-bas.